La nuit des étoiles, épisode 25, la nuit des étoiles. Bien, je me sens un peu vide maintenant que cette expérience est finie. Je vais aller voir ce qu'il s'est passé sur Terre pendant ce temps-là. Est-ce que les hommes ont notifié les mouvements des constellations? Il y a sûrement encore des choses intéressantes à observer. Alors, c'était le 24 décembre? Le soir de Noël. Évidemment, on n'aurait pas pu choisir meilleure date. Ça va, Eva? T'as rien mangé ce soir? J'ai pas faim. Je préfère regarder les étoiles. T'as raison. Elles sont magnifiques. En plus, ce soir, laissez-les dégager. Oui. Papa? Qu'est-ce qu'il y a, Eva? Toutes les étoiles, tu penses qu'elles sont vivantes? Qu'elles peuvent nous observer et nous aider? Je ne sais pas, mais ce que je pense n'est pas important. Qu'est-ce que tu crois, toi? Eh bien, je pense qu'elles nous regardent toute la journée et la nuit, elles vont dormir, donc elles ne bougent plus. Tu as pensé à tout ça, là, maintenant? Non, ça fait longtemps que j'y réfléchis. Bien, alors, c'est ta vérité sur les étoiles. Papa, regarde là-bas! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Les étoiles, elles bougent! Mais c'est vrai? Je n'aurais jamais cru pouvoir les voir bouger. C'est Noël. Tout est possible. Oh, je crois que c'est Orion là-bas, qui se déplace avec son chien Sirius. Et là, c'est la grande ours. Elle a l'air de chercher quelque chose? La petite ours, évidemment. Et Draco qui se joint à elle. Waouh, c'est la chose la plus belle que j'ai vue de ma vie. Toutes ces constellations qui bougent et interagissent. Toutes qui se réunissent au triangle. Waouh, c'est un symbole fort. C'est plus que tout ce que j'aurais pu espérer voir un jour. Il y a des étincelles dans le ciel? Ça doit être normal. Ah, ça y est. Elles repartent toutes. Et tout est comme avant. C'était juste fabuleux. Waouh. Je n'oublierai jamais ce Noël. Ah, allez, il va être temps d'aller dormir. Mais, papa, le jour se lève. On est resté toute la nuit devant les étoiles. Les étoiles. À défaut de bouger le jour, elles font rêver et continueront à faire rêver à travers le temps. Ce qui est intemporel, c'est la fascination et la curiosité que nous avons tous et toutes pour elle. En conclusion, je dirais que nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, aidés par les étoiles. Cette nuit a été magique. C'était La Nuit des Étoiles, une saga MP3 scénarisée par Mindroll et mixée par Mindroll et Yananas. Relue par Yananas, Gandalf le Mage, et DietZombie 62, avec les voix de Roxane le Duc. Zeus ! Tout se passe comme tu le souhaites avec Orion ? Maxwell. Il y a de la rébellion dans l'air. Tu avais raison, Hera. Ça peut être intéressant. Mais nous devons nous tenir prêts à intervenir. Malice. Elle est bien bonne, celle-là. Que je vous aide. Mais quelle bande pleurnichards. Naïl Lancio. Elle me ferait presque lâcher une larme si elle n'était pas allée voir Zeus. William Lavanche. Hé, Zeus, Hera, venez voir. Toutes les constellations se sont mises à... Vous le savez déjà, c'est ça? Célestin Langrenaise. Ça y est, on y est. La coupe est là, juste devant moi. Nel. Moins fort. Il y en a qui essayent de dormir. Jérémy Aston. Enfin, c'est assez comique. Vous avez mal à la tête, mais laquelle? Vous en avez 9, vous savez. Chiro. Et Persée va nous faire un abri génial. Ça sera un palais. Louis Després. Voilà. Une fois cet abri construit, nous serons bien installés pour étudier votre Cassiopée. Vous avez compris? C'est une blague avec Cassiopée. Rigolez, s'il vous plaît. Éléanore Corohen. Calme-toi, tout ça part beaucoup trop loin. Souviens-toi, tu voulais seulement retrouver ta forme humaine. Gandalf le Mage. Chargez! Noah Sepio de Vienne. Tu avais raison, l'aigle.
nous n'aurions pas pu trouver de meilleur lieu pour faire une pause. Louis Freux. Il ressemble à d'autres galaxies, comme la Voie lactée. Lire. Une espionne, faites-la passer par-dessus bord. Antoine Noël. Et nous y voilà, le plus proche que nous pourrons être du centre de la Voie lactée. Herminique Biane. Qu'est-ce que tu me veux, Cassiopée? Tu fais la mariole à venir la tête en bas? Vénaïs. Oh non, maman, on est perdus! Thomas Farina. J'aperçois un lieu étrange, une sorte de triangle. Et il y a un hôtel en son centre. Ou peut-être un piédestal, je ne vois pas bien. Maman Kim. Toutes les étoiles, tu penses qu'elles sont vivantes? Qu'elles peuvent nous observer et nous aider? Et Flo. Allez, il va être temps d'aller dormir. Et un énorme merci à Keiji pour le générique, Fafodil pour l'illustration et Javras pour leur soutien. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement.